quand tu passes de ça à ça. Ouais, au début, c'était pas glorieux, et je l'assume, j'étais en train d'apprendre, j'avais pas du matériel qui tenait la route plus que ça. Et maintenant, après une formation et avoir acheté du bon matériel, on fait de la très bonne qualité. L'important, c'est de se former et d'apprendre comme il faut, et le top, c'est vraiment de pratiquer. Donc oui, en allant sur le terrain, j'ai fait des premières vidéos qui étaient pas tip-top. Mais tu sais quoi, le plus important, c'est que les clients, ils étaient satisfaits, parce que les clients, j'étais les revoir, je leur ai dit ce que j'ai fait au début quand même, j'en étais pas convaincu, et je leur avais dit même en la livraison, c'était pas super top. Ils ont quand même été contents, ils ont utilisé les vidéos, ils les utilisent toujours, ça fonctionne du feu de Dieu, et je leur ai tous proposé de refaire les vidéos avec mon nouveau matériel pour qu'elles soient bien plus qualitatives. Et bah les mecs, ils ont dit ouais, si t'as le temps et tout, mais nous ça nous va, on est contents. Voilà, bonne leçon en tout cas pour moi, bon je savais déjà et j'assumais ce que je faisais, et maintenant je fais de la belle qualité, donc les mecs, j'ai pas fini d'être ici. Et maintenant, place à de la bonne vidéo de qualité, faire à suivre.